Yo les gens. Alors bon bah, j'ai complètement déménagé d'endroit moi. Ça y est. J'ai déménagé. Bah, si je le dis après, les gens ils vont comprendre, tu vois. Il y a peut-être des gens qui veulent pas trop mon bien, vous voyez. Il y a une féminazie qui essaie de m'attaquer, qui dit que je suis un... Comment on dit ces gens-là qui... Ah, un harceleur sexuel. Sur Facebook, hein, c'est une ouf, celle-là, elle était choquée. Bon, c'est une Gémeaux, hein. Beaucoup de Gémeaux sont ouf. Hein. Mes potes, c'est des exceptions. Hein. Enfin, surtout, je crois que les femmes, en fait, Gémeaux, elles sont ouf. Non, Forsyth, le mec, il est ouf, il est Gémeaux. Il y a des Gémeaux qui sont vraiment très, très ouf. Dangereux. Ça, c'est... Ce beau quartier, voilà. Vous voyez, c'est très tranquille. Très tranquille. Très bien. Ça... ouais, ça fait un peu penser à... Et là, il loue aussi. Voilà, là, il loue. Il loue là-bas aussi. Donc, voilà quoi. Moi, je peux toujours trouver d'autres locations si ça va mal. Alors, le genre d'immeuble où j'habite, c'est pas ce genre d'immeuble-là. Parce que ce genre d'immeuble-là, c'est exactement comme dans mon quartier, assez drôle. Là où j'habite, moi, c'est plutôt un vieil immeuble, années 30-40, quoi. Un petit peu comme un Montreux, quoi. Ouais, mais bon, en gros, moi, ce que j'aime bien de Marocco, c'est que c'est tranquille. Voilà. Après, ce que je fais, moi, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, les bus, ils vont à Marocco, ils vont chez Rios. Voilà, quoi. Alors, bon, après, les magasins. Non, il y a plus ou moins, il y a masse. Alors, il n'y a pas le centre commercial le Royal Plaza, là, du Plaza VR, c'est vrai. On a le mall de Chorios qui est pas très loin, le fameux Plaza Imasso. C'est vrai que c'est pas... Voilà, quoi. Mais bon. Enfin, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Vous savez, ça sert à quoi ça sert un mall? Si on peut plus aller au cinéma, ça sert à rien quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien. Après, c'est vrai que le Plaza VEA est moins cher pour d'autres choses, hein, mais il y en a aussi ici à Barranco. Merde, j'ai dit le mot. Au moins, je ne l'ai pas dit au début, donc ça va. Donc, ouais, il y en a aussi. Bah, par ici, il y en a aussi un. Donc, je veux dire, si vraiment je vais faire des achats. Un peu moins cher, urgemment. C'est clair, il y a moyen, quoi. Vous voyez, c'est pas un problème, quoi. C'est-à-dire que moi, en soi, ce que j'utilise, effectivement, je vais pas manger tout le temps des hamburgers chez Bembos, quoi. Enfin, on dirait quand on voit mes vidéos, vous voyez. Je dis, ouais, celui-là, il va tout le temps chez Bembos, quoi. C'est pour ça qu'il est. Il est fat, quoi. Il est gros. Bah non. C'est à cause des pâtes, la vérité. Une série de haut quoi, en fait. Donc voilà. Oui, c'est un peu colonial. Allez. Enfin, c'est un mix en fait. Et du moderne aussi. Hein. Et voilà. Et c'est un quartier que j'ai toujours trouvé calme. Puis perso, j'ai besoin de calme. Parce que là, pendant un mois, là. Si vous avez déjà vu dans certaines vidéos, vous avez entendu où j'étais dans l'ex-logement, d'ailleurs où je vais d'ailleurs y retourner, hein, pour y prendre ce qui reste. Et puis, pour y prendre ce qui reste. Et puis, remettre les clés, quoi. D'abord, j'allais bouffer, je vais faire un petit peu de thunes pour bouffer, parce que j'ai besoin. Mais bon, c'est en chemin, vous voyez, c'est l'avantage de chanter dans les bus. Tu payes pas le bus, puis tu vas où tu veux. Voilà. Ah merde, je me disais, j'ai oublié mon mobile, mais j'ai dans la main, je suis crétin. Ouais, j'ai pas de GoPro. Hein. Ça, vous pouvez bien comprendre que. On met là, la fois où je me suis fait expulser, il y a le PC portable, la GoPro, ciao. Et puis, au prix que ça coûte, mais non, faut oublier quoi. Moi j'ai là-bas en bas. Là en bas où il y a les bus qui passent.
Alors là aussi, il y a le métropolitain, qui est assez cher, mais disons que c'est très pratique de l'avoir à la main, celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de prendre un bus alimentaire. Donc là, j'ai le bus direct. Ça m'arrange, moi. Après, le siège, je l'aurai pas vide, hein, pas forcément. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais bon. Vous voyez, ça, c'est... Voilà, quoi. Il y a un petit côté Arequipa, là. Petit côté comme ça. Petit côté, hein. Cette rue, là. Ça fait penser à une certaine rue à Arequipa. Il y a un petit côté comme ça, tranquillo, à la... Arequipa que je kiffe bien, tu vois. Enfin, vous voyez, quoi. Bah, des fois, je vous tutoie si vous seriez une seule personne, en fait. Hein. Voilà. Donc, bon. Putain, alors là, je dois voir un truc, là, c'est rien de me choquer. C'est une dame qui a mis des barbelés sur son... son mini-balcon. Il y en a des, ouais, ils sont un peu ouf, hein. Voilà. Bon. Ah, ce que j'aime bien de ce quartier, c'est que c'est un quartier très tranquille, vous voyez. Très... Il n'y a pas de bruit furieux, c'est trop bruyant. Enfin, là où j'habitais, avant de la Arequipa, ça passait. Et pour retourner là-bas, bonne chance, ça coûte plus cher. Et puis le gars, il dit que je l'ai arnaqué avec mon lit, donc... Donc voilà, quoi. Donc du coup, je suis Kenny, hein. Vous voyez, hein. Ce genre de maison, comme ça. Un petit peu comme ça. Vous voyez, hein. C'est joli, quoi. C'est colonial. Ah, c'est... Ouais, c'est pour vous montrer comme ça. Alors bon, au niveau boulot, bah, j'ai rien trouvé pour le moment. J'espère que à la fin du mois, ma chère maman va pouvoir trouver 100 balles. C'est 100 euros, c'est exactement le loyer. Voilà. Donc en gros, c'est ça, hein, ma life. Hein. Mais non. Si y a moyen de que je gagne des thunes pour bouffer sans avoir besoin de cuisiner et puis m'acheter des menus, des trucs comme ça, je vais le faire. Mais ça dépend, hein, c'est pas. Peut-être que je vais me mettre. Oui, j'ai arrêté de voir les setups peut-être. Voilà. Et ça, c'est l'avenue. On passe les bus. Voilà. Habiter par ici, c'est un kiff, hein, les gens. Alors, c'est la chambre que j'ai, elle est toute petite, rien à voir avec celle que j'avais avant d'aller à Arequipa, qui était top de chez top. Ah, mais c'est mieux que la saloperie que j'étais avant. Vous voyez. Pas de bruit, tranquillité absolue, hein, pas de gamin qui... Comme vous entendez dans les vidéos, là, ah là là, là ça... Ah, je supportais plus, là. Je suis resté quand même plus d'un mois, hein. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Bah, je vais aller... à l'arrêt de bus. Et vous voyez ces maisons là, hein. Ça, vous voyez, ça c'est un balcon typique comment colonial. Alors je sais pas si c'est une copie, mais ce que je peux vous dire, et je vais vous montrer une chose, cette maison est celle d'un, on pourrait croire d'un Arequipeño, parce que ça c'est les armoiries d'Arequipa, enfin en tout cas une partie, on dirait comme ça, hein. Ce balcon, en fait, dans les rues de Lima, dans les bâtiments coloniaux, c'est les balcons, en fait, des voilées, des femmes voilées. Enfin, ils appellent les femmes couvertes, en fait, femmes voilées, couvertes. Voilà. Arequipa. Las Tapadas. Voyez, c'est joli. C'est joli, genre de quartier, oui, c'est sympa, c'est... C'est... Jorieux, c'est juste là-bas, vous voyez. En fait, j'habite à la limite, en fait. Voilà, pour traverser, ça, c'est ballot, hein. C'est pas trop le bon endroit. Hein. Et c'est... Moi, je suis pas où il faut, hein. Ouais. On va traverser, on s'en fout. Il n'y a pas trop de monde. Voilà.
Voilà, j'habite non pas très loin. Si je veux vraiment j'ai le moyen d'aller au Place Avéat qui est le Wailas, oui, c'est l'avantage. Donc c'est bien, ça ne me dérange pas. Oui, c'est pas trop loin. Tout ce qui est pas cher de Churio, c'est pas loin. Donc moi il y a moyen que. Vous voyez, c'est pas vraiment très 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 significatif de Barranco, c'est les graffitis. Vous voyez, en fait le graffiti carrément il est légal ici. Mais les affiches qu'ils ont mis, ça c'est pas légal. Vous voyez? Alors, voilà, c'est Barranco. Chorieuse, graffiti illégal. Graffiti illégal. Graffiti illégal. Et tout ce qui est. Vous voyez, là-bas, il y en a un là-bas. Ça, si vous voyez. Je peux pas faire de zoom avec ça, hein, mais vous voyez, c'est légal. Alors, c'est des graffiti peinture, hein, plutôt. C'est joli, hein, c'est bien fait. Hein. Mais je veux dire. Il serait assez étonné hein, de ça. Vous voyez. Voilà quoi. Bon, allez les gens. Je vous laisse, ça va faire trop longtemps à monter la vidéo parce que c'est pas non plus un super wifi, hyper machin. Allez, peace, à plus, ça t'es beau votre chance.